Allez, regardons les accords et la grille. Alors, il y a trois accords. Mi. La. Tout en majeur. Et Si. Mi, La, Si. Donc, bien sûr, je vous invite à faire ces accords un petit peu de partout sur le manche. Notamment cette position-là de Mi. Parce qu'elle va servir dans le solo. Donc, c'est une position de Do, comme on dit. Mais, vous voyez, en Mi. Le La, on peut l'avoir comme ceci, bien sûr. Le Si, comme ceci. On peut avoir le Mi ici. Donc c'est vraiment ce Mi qui est important. On peut avoir le La comme ceci. Là aussi, on va avoir ça dans le solo. Et puis, on peut revenir aussi ici. Et le Mi comme ceci. Donc ça, il faut que ce soit bien acquis. Hein. Le Mi ici, le La, le Si... Voilà. Au niveau de la structure, on va avoir deux mesures Mi, deux mesures de La, puis deux mesures de Mi, puis deux mesures de Si. Deux mesures de Mi. 1, 2, 3, 4, deux mesures de La. 1, 2, 3, 4, puis une mesure de Mi. Une mesure de Si. Et deux mesures de Mi. Donc on a nos 16 mesures. 2, 3, 4. Allez, la grille avec le métronome, pour vous montrer. Hein. Ok, plan suivant, on arrive sur le Si, sur les deux mesures de Si. Alors là, on a un plan très courant en country. Vous voyez, donc 7, 8, 7 avec le hammer. Et après, on va faire 7, 9, 7, toujours avec le hammer. Donc là, à la main droite, je vous conseille aller-retour, aller-retour. Et vous voyez, le premier doigt, vous faites un petit barré. Ok, c'est un plan country, rock, blues, tout ce que vous voulez. Donc c'est en croche, hein, tout à la même valeur. Et on termine après par 7-8. Voilà. 1 et 2 et 2 et 3 et 4 et. Alors... Mesure suivante, on va avoir 7, 8, 9, 9, 9, 11, 11. Ça aussi, c'est un plan très très courant. 7, 8, je slide, 9, 9, je slide, 11, 11. Regardez bien les doigtés, main gauche. Hein. Vous voyez, je laisse mon deuxième doigt hein, sur la corde de sol. Thank you.
deux mesures ensemble. Début. Travaillez-le bien phrase par phrase, plan par plan, très lentement, avant d'apprendre à tout enchaîner. Alors vous voyez, ma main droite s'est trompée, c'est pas grave, je ne m'arrête surtout pas, je fais comme si c'était passé. Plan suivant, on a un premier bend, full, c'est-à-dire un ton. Et vous voyez, le petit doigt, il vient ici sur le 12. Donc là, c'est un ton, c'est-à-dire qu'on doit obtenir cette note. Et on fait deux fois ça. Et la troisième fois, vous voyez, deuxième fois, troisième fois, on bend, on relâche et on a le 10. Avec le premier doigt, le 10. Vous voyez, bend, je relâche, je redescends plutôt. C'est ce qu'on appelle un bend and release. Voilà. Soignez bien vos bends. Là, plutôt aller-retour. Ou tout en aller. C'est à votre choix. Avec le métronome. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Depuis le départ. Voilà, ça c'est un plan aussi très typique. Pas évident à réaliser. C'est la main droite la plus difficile en fait. Ensuite je récupère 14. Et je fais 14, 12, 13, 12. Regardez bien la main droite. Super plan ça. Vous pouvez le placer de partout.
avec le métronome.